Angelina Jolie et sa fille Shiloh ont fait une apparition publique. La mère et la jeune adolescente se ressemblent trait pour trait. La star américaine est une véritable maman à temps plein. Angelina Jolie a en effet 6 enfants. L'actrice a fondé une grande famille. Elle a tout d'abord adopté 3 enfants de 3 pays différents. Le premier, Maddox Chivon, est né au Cambodge et a aujourd'hui 20 ans. La deuxième, Sahara Marley, qui a désormais 17 ans, et est née en Éthiopie. Pour finir, Angelina Jolie a adopté Pak Tien, originaire du Vietnam, et qui est aujourd'hui âgée de 18 ans. L'interprète de Tomb Raider n'était pas encore en couple avec Brad Pitt lors de ses 2 premières adoptions. L'acteur a ensuite décidé de signer les papiers de l'adoption. Ainsi, tous les enfants de l'ex-couple portent le nom Jolie Pitt. Angelina Jolie et Brad Pitt ont ensuite 3 enfants biologiques. La première, Shiloh, née en 2006, puis Knox Léon et Vivienne Marcheline, les jumeaux nés 2 ans plus tard. Le couple de stars a déjà fait de nombreuses apparitions publiques avec leurs enfants. En 2016, ils ont annoncé leur séparation. Depuis, Angelina Jolie et Brad Pitt n'ont cessé de se faire la guerre pour la garde de leurs enfants. Les 2 acteurs essayent donc de profiter de chaque instant avec leur progéniture. La maman de 43 ans vient récemment de faire une apparition publique avec sa fille Shiloh. Angelina Jolie, sa fille Shiloh lui ressemble de plus en plus. La jeune adolescente a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années. En effet, Shiloh Jolie Pitt a décidé de se donner un look de garçon. Il lui arrive fréquemment de s'habiller avec des pantalons larges. Elle a également décidé de se couper les cheveux. Il y a quelques jours, la mère et la fille ont été aperçues ensemble à un concert à Rome. Sur cette photo, Angelina Jolie et Shiloh sont toutes souriantes. La jeune fille de 16 ans ressemble beaucoup à sa maman. Elle est son véritable portrait craché. Dans les commentaires de la publication, les fans de la star partagent ce même avis. Et vous, qu'en pensez-vous? And then right.